avons l'honneur d'organiser la deuxième journée nationale de l'industrie sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui nous avait donné comme orientation lors de la première journée d'aller la faire dans les régions. Et quel beau signal de la faire dans ce campus de Ben Gurion de l'UM6P, qui est un campus du savoir, de l'innovation industrielle, dans lequel vous pouvez voir énormément d'innovations maroco-marocaines desquelles nous sommes fiers et que nous accompagnons. L'industrie marocaine a franchi plusieurs paliers. Aujourd'hui, elle a un chiffre d'affaires de 800 milliards de dirhams. Elle emploie plus d'un million de personnes, mais ça n'est qu'un début. L'avenir est prometteur. Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, nous a tracé les voies de l'avenir qui sont la souveraineté d'abord, pour objectif de créer des emplois pérennes pour tous et dans toutes les régions. Nous y travaillons, nous allons monter en gamme ensemble et nous mobilisons tous les efforts du secteur privé, du secteur public, des investisseurs, des innovateurs pour faire en sorte que cette nouvelle ère industrielle puisse être un moteur de développement important et plus important encore, une forte dynamique de création d'emplois pour l'ensemble des Marocains sur l'ensemble du territoire national.